Radio Télé Spiritus, une autre voix de l'Église catholique en ligne. Frère, axiomio, thème central, nous gagnons, c'est debout resplendit, car voici ta lumière. Et thème, nous gagnons pour nous parler sous lit, ensemble avec nous, assoya, c'est rester debout et garder vos lampes allumées. Révérende sœur Claire Gagné, responsable nationale du renouveau charismatique. Dévoués membres du comité national. Bien-aimés frères dans le sacerdoce. Chers membres des instituts de vie consacrée et de société de vie apostolique. Peuple de Dieu, venu de tout horizon, frères et sœurs bien-aimés, chez nous en Haïti, nous avons prié, nous avons chanté, jubilé, loué le nom du Seigneur. Lui qui nous a donné la vie, lui qui nous a donné le renouveau en Haïti comme un signe d'espérance, un signe heureux de la présence de l'Esprit Saint au milieu de son peuple. Avec le psalmiste, nous avons chanté. Nous pouvons dire, je veux louer le Seigneur toujours et partout. Anessa encore, nous tournons sous deux pieds nous. Nous venons avec cœur nous, remplis avec cœur content. Nous venons debout avec lumière grand maître là, nommé nous. Oui, femme action, mieux debout tout pour nous accueillir lumière l'Esprit Saint dans la vie nous. Présence nous à soi, son présence qui est importante en pile. Son présence, nous voulons dire, nous voulons marier, nous voulons vivre avec 75e anniversaire, consécration, pays-nous, Haïti, à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Nous voulons vivre, je dirais ça, dans le temps congrès. Et nous voulons vivre tout avec une grosse fête. Pape François, Lévin, ajouté dans l'église là, avec Dicaster, qui est responsable à Rome, le culte divin, a ajouté fait ça. Nous avons célébré dans l'église là, lundi la Pentecôte. Lundi la Pentecôte, l'église a pas pour célébrer Marie, mère de l'église. C'est fait ça qui vient ajouter. Nous pas oublier pour nous ajouter dans le calendrier liturgique l'église là, dans l'ordre, nous pas bien pour vivre ça. Marie, mère de l'église. Oui, Marie, c'est maman l'église là. Marie, c'est maman nous. Marie, te kounkoun chantel, c'est maman tout le monde, maman peuple haïtien. C'est ça qui fait nous contents pour nous vivre. 24e concret nous avec jubilé 75e perpétuel secours là où t'es consacré pays avec belle fête ça Marie mère de l'église. Nous voulons rappeler nous femmes qui sommes mieux je nous là même j'ai avec peuple Israël là l'étape sorti en exil il était content il t'a chanté il t'a songé qui merveille grand maître là réalisé dans la ville. Et dans le psaume 126, verset 1er, revenant verset 3, c'est sa peuple à l'étape chantée. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire, nos lèvres de chansons, merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie.
Oui, cœur content quand mettre la fête pour nous. Cœur content, Libanou, pour nous capables de vivre le congrès nous. Nous unis à ça. Notre cœur content, Jésus-Christ qui est levé bien vivant. Parce que nous l'ouvrons le congrès nous. Dans octave, fête Pâques là. Jésus-Christ qui portait la vie pour nous. Jésus-Christ qui portait pour nous. Et un monde tout autre. Et un monde d'espérance. Et si nous venons là, c'est pas propre tête par nous qui mène nous là, mais c'est bon Dieu par l'entremise de l'Esprit Saint. Dans le cas qu'on te petit dit qu'il est vivant, qui convoque nous, qui ralène nous pour nous capables vivre le congrès ça. Avec psalmiste là, nous capables toujours prier, nous capables chanter notre psaume 115, verset 1er. Non pas à nous Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom. La porte et la gloire pour ton amour et pour ta vérité. Radio Téléspiritus Inter, RTSI. Restez debout et gardez vos lampes allumées. Luc, chapitre 12, verset 35, vivez dans l'autre verset. C'est comme ça, femme axiome. Nous qui pouvons vivre à soi. Comme ça, qui sort dans l'évangile, c'est Luc, il y a un thème côté cœur. Parole de Dieu a invité nous pour nous faire route là, ensemble avec Jésus. Même Jésus, il te fait route là, avec Apotio. Même Jésus, il te fait route là avec Apotio pour monter à Jérusalem. Jérusalem, pour te aider, pour préparer le bon Dieu, tant qu'il vient pour arriver route là. Et ces paroles ça, il te aide pour vivre. Et ces paroles, ça, Jésus, demandez qui peut te tourner méditation. Restez debout et gardez vos lampes allumées. Attitude, que tes lampes nous lumées, restez debout. Il doit être comportement, il doit être attitude. Tout le monde, captain Metli, cap sorti en voyage. Il doit être attitude, tout chrétien. Un chrétien, en femme axiome dans la ville, un chrétien, il doit rester à veiller pour connaître, il n'a pas besoin qu'on ni qui joue, ni qui l'a, mettre l'IA de pour retourner. Un chrétien, il doit vivre comme un veilleur. Un chrétien, il doit vivre comme un guetteur, capitaine ou tout chef. Li. Et chef ça qui laisse lié, c'est Jésus. Avant tout et surtout, Napton présente mon Dieu dans la vie nous. Et nous, on est Napton présente mon Dieu qui a appelé nous dans l'Ancien Testament. Josué, dans la grande conquête de Jéricho, côté bon Dieu, t'es manifesté. Pouvoir bon Dieu, présente mon Dieu, t'es renforcé. Mission, Josué, pour être capable de délivrer le peuple Israël là. L'en aller, dans l'île Josué, chapitre 5, verset 13, rivez dans verset 15, Paul a dit nous, or, Josué, se trouvant près de Jéricho, leva les yeux et vit un homme qui se tenait debout devant lui, une épée à la main. Josué s'avança vers lui et lui dit, es-tu le nôtre ou de nos ennemis? Il répondit, non, moi, je suis le chef de l'armée de Yahvé. Maintenant, je suis venu. Et texte là, dit nous toujours, Josué, tombant la face contre terre, l'adora et dit, mon Seigneur à son serviteur. Et le chef répondit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. Retirer son dalle au pied. Et c'est immense ça. C'est symbole ça. Quand le bon Dieu, le bon, le présent dans mes nous, mon Seigneur, dans le commencement, la messe, il est arrivé devant l'autel là, il a retiré le mythe là, qui est dans la tête, yo, pour dépouiller, pour connaître le lieu ça, pour le célébrer, qu'il y a un monde qui dépasse, yo. Il y a un monde qui peut repasser, et si là, qui peut repasser, c'est bon Dieu.
Radio Télé Spiritus Inter, RTSI. Debout, c'est attitude chaque chrétien en action mieux dans la prière. Attitude de prière, attitude de supplication, attitude de bénédiction. Rester debout, c'est occasion, comportement nous dans la prière. Comportement quand on a demandé bon Dieu, bénédiction, quand on a demandé pour bénir nous. Salomon, tu fais expérience debout dans le peuple Israël là. Le Salomon, tu es allé dans le premier livre des rois, dans le chapitre 8, verset 54 et verset 55. Texte là, il dit nous, quand Salomon eut achevé d'adresser à Yahvé cette prière et cette supplication, il se releva de l'endroit où il était agenouillé. La mains étendues vers le ciel, devant l'autel de Yahvé, il se tint debout. Il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël. Oui, Salomon, dans la prière t'a fait, dans la supplication, dans la bénédiction, il est campé debout, vivant dans le peuple Israël là. Debout, pour Maxime, c'est attitude d'accueil, c'est attitude respect. Si vous avez le cas au monde, ou dit moun nan bonjour, li chita sou rozèt, li kwaze pyèl, li pa kanpe pou le salye, li pa kanpe pou pran la men nan men, li pa kanpe pou kabab akyeyi parol ke ap di, moun sa li pa prè pou l'akyeyi ou la kay li, ou kapab di ou ap vire de ou pou ale. Attitude de respect. Ouè, l'arrivé an kote, ou pran akyeyi yon personnalité, yon autorité. Debout, nous camper pour nous accueillir. Et debout, nous te camper pour nous accueillir, bon Dieu, à travers sacrifice, la messe là, nous bras le faire. Et nous, dans l'apparition, bon Dieu papa, sous tête man, membre, le Sarah, t'as pas le guérir pour faire, petit petit ça, Isaac, Abraham, t'es debout, devant Zil, bon Dieu, t'es venu à côté de lui. Elle t'a accueilli, messager bon Dieu. Yo. Pas seulement il t'a accueilli, yo, mais il t'a baillé qui choy pour yo manger. Il t'a permis que yo vive. Présence accueille lui-même avec Sarah qui t'a été debout pour accueillir Zange bon Dieu qui t'a visité famille ça. On allait dans le livre Genèse, chapitre 18, verset 8, nous voyons ça. Il prit du cahier, du lin, le veau qu'il avait apprêté et plaça devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre et il mangeait. Abraham était campé pour être capable d'accueillir messager de Dieu. Femme action. Debout toujours, c'est attitude, assurance. Ou quoi tout bon vrai, ou campé debout parce que vous connaissez sauveur là. Libérateur là, li campé avec vous, la portée de délivrance pour vous. Et nous, bon Dieu, c'est ça toujours de nous, pour nous être debout, parce que c'est un bon Dieu qui est debout, un bon Dieu qui est présent dans l'histoire nous. Qui appelait nous, roi David, dans la construction temple là, et il était debout, pour te exhorter peuple là, pour te dire peuple là, relais sous col pour capable réaliser tant ça pour bon Dieu. On allait dans le premier livre, Chronique, chapitre 28, verset 2. Yon parole là, il dit nous, le roi David se leva et debout déclara, écoutez-moi mes frères, mon peuple, je désire moi édifier une demeure stable pour l'arche d'alliance de Yahvé. C'est ça, roi David, il était fait. Et même gentil, je dis, nous devons être debout pour nous capables d'accueillir Jésus-Christ dans la vie nous. Debout, malgré souffrance, malgré tristesse, malgré faiblesse, quoi, malgré des fois, je ne suis pas bon. C'est pas seulement je ne suis pas debout, mais nous faisons pour nous être debout pour nous accueillir présence bon Dieu. Accueillir présence l'Esprit Saint. Accueillir présence Jésus-Christ, que le veut bien vivant. Radio Télé Spiritus Inter, RTSI. Debout,
Restez debout et gardez vos lampes allumées. Gardez lampes nous, l'humain. Ces paroles, ça, en femme, ça, mieux. L'évangile Saint-Luc, là, l'Éden découvert dans le premier jour congrès. Lampe, il doit tourner lumière, la vie nous. Lampe, il doit tourner flambeau, la vie nous. Lampe, il doit tourner lanterne, une torche qui pour éclairer nous. Même si dans la vie nous, nous utilisons lumière pour nous voir, pour nous marcher. Mais faut parole bon Dieu, il tourne lumière dans la vie nous. Nous entendons dans la radio, pour nous dire mes musiques compagnons. Il y a une musique qui dit bon frère noir moi, bon baka ou point. Bon frère noir, bon baka ou point. Et bien, assoyez tout le monde qui est dans le congrès, on a dit bon lumière moi, bon esprit Seigneur, pour être capable de faire route dans la vie moi. C'est lumière ça, qui a pleuré nous. Et nous dit l'autre, il doit tourner les yeux comme nous, lumière qui a pleuré comme nous. L'autre, le roi David, pour qu'on fasse expérience présence l'autre dans la ville, avec révolte, il y a un roi qui te relève, Jéroboam. David fait expérience lumière. Et dans le premier livre des rois, dans le chapitre 11, verset 36, il découvre comment l'homme bon Dieu a, lumière bon Dieu a, l'éclairer la ville. Nous jouons une parole, ça y est. Pourtant, je lâcherai à son fils une tribu pour que mon serviteur David ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y placer mon peuple, mon nom. Moi, c'est bon Dieu qui a parlé comme ça. Parole bon Dieu, Jean Salmis, ça lui dit, il doit tourner une lampe dans la vie, nous. Ta parole, Seigneur, une lampe sur mes pas. Ta parole, Seigneur, une lumière sur ma route. Psaume 119, verset, avec Psaume 105, verset 105, nous venons. Psaume 119, verset 105, parole bon Dieu, il doit tourner en lumière dans la vie, nous. Nous disons, dans la Bible, c'est lumière qui a pleuré route nous, mais l'autre là tout, il traduit dans la Bible l'attitude d'une femme responsable. Une fille qui prend responsabilité, une fille qui réalise travail, la caille là, dans la famille, dans la maison, une fille qui fait affaire avec droiture, une fille qui fait affaire dans la vérité. Une fille qui prend soin pour gérer la caille, lui tant qu'on lampe qui va jamais payer. C'est sa parole, bon Dieu, elle dit. Vous voyez ça dans le livre, Proverbe, chapitre 31, verset 18, qui ça lui dit, elle sait que ses affaires vont bien de la nuit, sa lampe ne s'éteint pas. Une fille qui prend responsabilité, lampe lui pas jamais payer. Yon fille qui prend responsabilité, dit en cours, yon lumière, yon lampe yon mette sur un lampadaire sacré pour capable briller. Yon fille qui prend responsabilité, yon parole la libye, lampe la libye traduit, la beauté sur son visage. La fille a pris responsabilité, beauté sur le visage, dit en cours yon lampe, dit en cours cas content, dit en cours yon maison, yon brille, nettoyer, yon bien, prend soin. On voit ça dans le livre Siracide, chapitre 26, verset 16, rive dans verset 18, qui sa parole bon Dieu lui dit, la beauté sur son visage est comme une lampe, sa joie est comme une maison bien tenue. C'est ça, la fille prend responsabilité. Libère devant bon Dieu, pour assumer responsabilité, ou traduit merveille bon Dieu dans la vie. Vocation, nous mettons en famille. Et maman, nous sommes gardiennes de famille. Parce que c'est eux qui toujours à veiller. C'est eux qui toujours à prendre soin de tout. C'est eux qui toujours là pour apprendre comment pour être capable d'orienter l'éducation. Oui, il faut maximiser. Même si chanter a été dit, bon, d'accord, alors je ne vais pas demander pourquoi. Alors, dans le pays d'Haïti, ils promettent maintenant lumière courant 24 sur 24. Par contre, il est là pour venir, mais bon, lumière qui 24 sur 24, c'est lumière de l'Esprit Saint, et va pas prendre nous, elle dans la vie nous.
C'est pour nous quitter la lumière ça. C'est pour nous quitter le briller dans la vie nous. Restez debout et gardez vos lampes allumées dans l'évangile Saint-Luc là. C'est un appel à la vigilance, un appel à la fidélité, un appel pour tout disciple pour prendre tenir travail comme bon ouvrier pour autant de maître qui vient pour venir. Oui, comme Maxime, disciple, nous-mêmes comme chrétiens, comme petit bon Dieu, nous comparez-nous avec sa vitesse à, ou bien sa vitesse à, capitaine Mathieu, saute menace, pour capable de recevoir. S'il vient n'importe qui l'est à minuit, ou bien plus tard, il joint dans le travail là, à la chance pour sa vitesse à, capitaine Mathieu, cap vini. Restez debout, gardez l'autre lumière, c'est pour nous être veillés. On appelle la vigilance, pour ne pas prendre pas un jour, dans 40 ans qu'on met là, dans festin, la vie qui pas de jamais finir. Et là, ça, mettre là, dans l'évangile, la libye nous, la venir la prendre à briel, la mettre dans cette huile, la servir nous chaque, et là, elle est une par une, pour joindre nous, dans le travail, ça. À la chance pour sa vitesse, ça. Mettre la tournée, lui joindre debout. À la chance pour sa vitesse, ça. Mettre la tournée, lui joindre l'ampli, l'ampli, lui-même, amen. À la chance pour sa vitesse, ça. La mettre la tournée, lui joindre à veiller avec l'ampli, lui-même, amen. Oui, femme à soi mieux. Chrétien, lui doit à veiller. La veiller, parce qu'elle pas connu ni toujours, ni qu'il est grand mettre là à venir. Chrétien, c'est un veilleur, mais pas un surveillant. Ou nous veillons, Captain Mette Livini, Jésus-Christ va demander, on a levé la famille, on fait les jeunes, on fait les bouchons dans la famille, on en a veillé. Mais on a veillé parce que Captain Mette la cap vini. On a veillé parce que nous avons lumière à l'Esprit Saint qui a pleuré la ville. On dit c'est attitude sentinelle, attitude guetteur, Captain Mette qui a tourné. Tout rappelez-nous, Nathanoyer. Jean, nous venons ça dans l'évangile Saint Matthieu, dans le chapitre 24, verset 37, qui vient dans verset 42. Il dit, nous tombons, les petites mouvements de Dieu pour venir, laisse ça, la délice là, le péchita, y a mangé, y a boire avec Mario, avec Madame yo, jusqu'à ce que tant te supprime yo, il te paré yo. Et laisse ça, ces gens petites mouvements, là, pour venir, il y a l'évangile Saint Matthieu, il dit nous, deux mounes ap mon jardin, y a pran yon, y a quitté l'autre là. La bien deux filles kap moule, non yon moule, y a pran yon, y a quitté l'autre là. Comme ça, c'est pour nous chita ap veye, parce que nous pas connaît ni qui joue, ni qui le grand maître là, l'ap veni. Oui, nous chaque qui là, nan premier jour congrès nous, pas nous veye. Pas rater congrès. Donc vous m'avez dit, pas faire congrès, tout le programme. C'est congrès, je dis, tabac prend moi, hein? C'est congrès, c'est un problème. C'est pas ça, faut nous venir, nous venir pour la prière. Donc on dit congrès, c'est pas un programme, quand tu as un poisson gros sel, bon homme baiser, ou bien pas que chaudière, pizza créole, ou bien pour une bonne mise à bordel. C'est pas ça, congrès allié. Nous venir pour nous la prière, mon Dieu. Nous venons avec tout problème, nous, toute souffrance, nous, toute maladie, nous, toute tête chargée, nous venons à guerre, bye bon Dieu papa, dans le congrès ça. Si nous ratons le premier jour congrès, nous avons raté tout le congrès. Il faut nous profiter pour nous vivre le congrès ça. La prière pour le pays, nous, la prière pour la famille, nous, la prière pour l'église, là, la prière pour nous, qui a dirigé nous, la prière pour nous, tout, dans le comité congrès, pour l'Esprit Saint inspiré dans le congrès, pour nous donner une bonne parole qui peut soutenir nous, une bonne parole qui peut faire nous être debout avec l'autre nous, lui-même en main. Oui, Frère Maxime, nous ne pas connaître ni toujours, ni qui l'a grand maître à la vie. Et chaque fois, lui méditer sur l'évangile ça, ça rappelle moi histoire gros bateau ça. Peut-être dans plus de monde qui connaît, un bateau que le Titanic, le plus grand navire du monde. Bateau ça était tellement gros, il était tellement gros, il dit même mon Dieu, pas qu'à pour le bateau. Et pendant, il a voyagé, il y a un gros croisière, il a pris plaisir, c'est musique, il a passé maintenant coup, il a boit crème, il a boit bien. Son autre niveau, et bateau ça a été rencontré avec un asbag le 13 avril 1912 dans l'île Californie. Et bateau
li pa fè naufrage. Capitaine nous te lance un message pour dire passager, mais bateau a pas coulé, prends-y la sauvetage nous. Passager dit non, bateau ça a pas cap coulé, ni bon Dieu pas cap coulé. Et bateau ça a te fait naufrage, et moun te mouri. Mais nous avons dit aujourd'hui à Thomas Samuel, capitaine nous te lance un message là, c'est l'église là. C'est messager mon Dieu, c'est évangélisateur, c'est moun qui a prêché bonne nouvelle à ta dit non. Changez qu'à nous. Dans la bonne nouvelle là, jusqu'à présent, il y a des gens qui peuvent croire si Jésus qui vient pour retourner. Il y a des gens qui peuvent croire toujours si Jésus qui revient vivant. Donc, comme on dit, chaque année, nous tendons, il y a célébré la mort de Jésus-Christ, mais pas de gens qui disent qu'il a été mort, pour mal l'envahir. Mais il faut que nous soyons, c'est pour nous tous les messages, bon Dieu. Si nous pas tendons des messages, bon Dieu, la vie nous a fait naufrage. Qui nous a vu, nous vivons comme des naufragés. Ou bien nous avons l'argent, ou bien connaissance, nous sommes naufragés spirituels parce qu'on a un bon Dieu dans la vie. Mais c'est ça qui fait que, pour inviter nous à la vigilance, pas comme demain, on accueillera un bon Dieu. On dit c'est appel à la vigilance, à la fidélité. Pas comme demain, c'est aujourd'hui même, il est nous, côté nous, là, pour nous accueillir parole bon Dieu dans la vie. Nous, chaque qui là, Thomas Samuel, pas peur pour nous approcher nous de Jésus. Oui, Jésus qui aime nous. Oui, Jésus, malgré faiblesse nous, qui a accueilli nous. Oui, Jésus, chaque jour, qui nous libère sous quoi, qui dit petit, mais je vous aime, venez jouer une frère, venez pour nous capables de nous, bye papa. Ça rappelle nous, Thomas Samuel, Zaché. Nous songez, Zaché, qui tombait. Jésus qui a passé, lui cherchait pour vous, Jésus qui est dans la ville. Et Jésus te dit une parole, il dit, lui même tout, il se petit Abraham, délivrance arrive pour lui. Mais vous même qui l'a côté Chita, ou ce petit Abraham, ou ce petit l'église, délivrance arrive pour vous côté là. Radio Téléspiritus Inter, RTSI. Et c'est ça que nous vivons dans le congrès. Profitez de tant de grâce ça, tant d'action de grâce ça, tant de conversion ça. Zaché, il était accueilli dans la ville, le pardon, frères et sœurs bien-aimés, et la miséricorde de Dieu. Zaché, il a quitté parole Jésus, sous quelle puissance lui? Il a quitté parole Jésus, désinstallé pour rencontrer avec lui. Koto Chita, quitté parole bon Dieu, sous quelle conscience lui? Quitté parole bon Dieu, désinstallé pour capable de prendre l'ampou debout, pour capable accueillir parole bon Dieu. Et Zaché, il est arrivé au côté. Il y a un remords de conscience. Le Jésus est entré la caille, il était content. Il dit, je suis prêt pour me moitié, même ça me déposséder, by pauvre. Il dit, si là, je vais te prendre, bagaille, ma baille. Quatre fois plus de ça me comprend. Si vous même, non. Oui, Femme Axemio, réputation, Zaché, t'es répondu de tous côtés parce que Zaché t'es rencontré avec la justice de Dieu, l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu. Zaché t'es fait pénitence. Mot Zaché, nom Zachéa, il sortit dans le mot grec, Zakaios. C'est là Zaché, nous venons ça, Zakaios, qui signifie le juste, le pur, Zakaios. Nous, chaque qui là, faut que nous fassions Zakaios dans la vie, nous, pour nous chercher la pureté du cœur, pureté conscience, nous. Dans la vie de nos sociétés, côté conscience, elle est absente. Dans la vie de nos sociétés, côté conscience, elle est pourrie. Dans la vie de nos sociétés, côté conscience, elle est relâchée. Ou pas qu'à chrétien vous dit, c'est pas nous qui avons changé ça, ça te l'a déjà. Faut que soit côté loin, faut qu'on chrétien. Kotoya, faut que vous toujours l'aimer. Kotoya, faut que debout pour capable prêcher bonne nouvelle là. Et c'est ça, Zaché l'a demandé aujourd'hui. Pour gagner des Zachés modernes qui acceptent qu'ils aient conscience des installés pour rencontrer avec bon Dieu. Amen. Quatrième congrès, nous, c'est ça pour nous dire. Zaché de vos problèmes de conscience. Elle dit, ça me décomprend ma promesse. Et si dit, Zaché, je dis à tous les problèmes de conscience. Et pour dire, ça me décompense sous le pays, ma promette-lui. Ça me décompense sous le malheur, ma promette-lui. Si je travaille avec moi, je ne vais pas payer, ma promette-lui. Coutez, je ne vais pas faire sous le pays, coutez, je ne vais pas faire sous le malheur, je ne vais pas faire coutez encore, ma prière, je suis dans la ville, ma prière, je suis pour Haïti. C'est sa parole, bon Dieu, la dit nous. Laisse-la, paye-nous, la bénis. Laisse-la, paye-nous,
Nous avons tous nos terres de bénédiction, nos terres de conversion. Laissez-la payer nous. Nous rencontrons un haïtien. Nous connaissons ses frères, ses sœurs. Pendant que ce mot, je dis à nous, quatre congrès, nous, chacun là. C'est chrétien, nous tournons lumière. C'est sa parole de Dieu, il dit, chrétien, c'est nous qui sommes terre. C'est nous qui lumière terre. Pas tout le lumière, ça, lumière en bas de la bande. Pour lumière, ça, l'éclairer. Et si lumière à l'éclairer, Haïti nous réveille, l'église nous réveille, la société nous réveille, il est déjà arrivé. Mais malheureusement, il faut que ce mot, nous vivons dans les ténèbres. Ténèbres à tous côtés, ténèbres à envahir la vie nous. Nous constatons, pendant que ce mot, je dis à tellement de ténèbres, pour vivre dans le pays, où on a moins, pas vivre dans le capo-kipo. Pour vivre dans le pays, où il y a un problème dans la rue, tout le monde a couru, il va tout le temps pour la vie, quand on prend le temps, il n'y a pas de temps pour l'autre. On vit dans le pays, quand on était, c'est un égoïste, féroce et farouche qui a travaillé la vie nous. Et des gens disent, ouais, c'est de misère en misère, de souffrance en souffrance. Et il y a plus de monde qui cause leur souffrir, ils ont tout été recevoir, lumière à l'Esprit Saint. Et toujours dit, je suis en train de dire, si Jean-Paul II, il doit visiter la France. Et là, ça, président Chirac, dans sa propage, il a dit, vive une France laïque. Et si Jean-Paul II, il a dit, France, souviens-toi de ton baptême. Et je dis à nous, avons tout le monde qui a dit, Haïti, son état laïque, etc. Souviens-toi de baptême, parce que nous sommes peuple chrétien, parce qu'il doit avoir l'air chrétien de nous. Nous devons vivre la famille comme ça doit. Nous ne pouvons pas empêcher le monde, ou pas appeler, vivre l'église, mais tout est chrétien, vivre la foi. Tout est chrétien, vivre contre avec mon Dieu. Et c'est ça qui fait que, depuis nos familles, on apprend, par exemple, une bonne éducation, apprendre à nous respecter ça qui va pour nous, apprendre à nous respecter bien commun nos familles, pour leur grande responsabilité dans le pays, pour tout nos lumières, pour être capable de créer pour l'autre. Tellement qu'il est égoïste. Tout le monde fait mal comme ça. Je dis à, t'es pas un malade, on peut y soulager l'argent. Soulager quoi pour aller climat, pour voyager. Et est-ce que nous sommes là, si nous tombons là, ou pas prendre un hélicoptère qui vient pour nous là, ou bien avoir privé. Pas de rien. Mais il faut nous organiser pour nous un bon hôpital dans le pays. Parce que nous avons des médecins qui ont des compétences. Nous avons plus de médecins dans le pays. Et si nous avons des compétences, oui. Mais on n'a pas de matériel, pas de côté pour le travail. On gaspille l'argent payé, on prend plaisir, et puis on ne veut dire aussi l'argent payé, on vole le propre. Si on te prend, on est pris pour aller chez Papa Ville, pour aller au Suspon à Chili, pour aller au Suspon à Brésil, pour qu'on soit capable de là pour construire la société, pour construire Haïti. C'est ça qui a fait nous tourner la lumière. C'est ça qui a fait que bon Dieu, nous clore dans la vie, nous. C'est ça qui a fait, bon Dieu, lui porter de livrance pour nous. M'a fait. Il y a un petit Jouda avec nous. Pas dit, c'est un Jouda, non. 6 janvier, l'installation, Monseigneur Leroy dans la cathédrale, pour le président Alcominé, pour madame Nécominé, pour le premier ministre Cominé, pour le président de l'Assemblée nationale Cominé, me dit, son gouvernement chrétien, né, et me dit, Haïti, sauvé. Dis nous, si on croit Jésus-Christ, et c'est sa parole de la devenez ce que vous avez reçu, le corps du Christ. Et Jésus-Christ symbolise l'unité, l'amour, la solidarité, l'espoir une pour l'autre, dignité de l'homme, nous s'allier. C'est ça qu'a fait tourner l'unité pour l'autre là. Et c'est ça, Jésus-Christ a demandé nous aujourd'hui à travers l'évangile là. Chrétien, debout, gardez vos lampes allumées. C'est pour capable d'appliquer dans la vie où la vertu théologale pour être debout, la foi, l'espérance et la charité. C'est pour nous qui met la foi à nous, vivons. Nous chrétiens, nous qui met la foi, debout, c'est ça qu'on peut être vigilant. La foi, c'est pour qu'il y ait dans toutes circonstances. Ou grand goût, qu'il y ait la foi. Ou malade, qu'il y ait la foi. Ou dans le chômage, qu'il y ait la foi. Parce qu'on est bon Dieu, il y a un jour qui vient délivrer. Il y a beaucoup qui met la foi. Ou après le combat, qu'il y ait la foi. Tout le temps, il y a beaucoup où je suis apparu, ou même dit, on le point droit,
demandé pour nous faire révolution, pour du monseigneur, venir suivre tête peuple dans tabac. Nous faisons une révolution de cœur, une révolution de pensée, une révolution de conscience pour nous capables de connaître qui sa conscience m'a dit, qui sa cœur m'a dit, qui sa parole mon Dieu a dit, la mal l'église, mais la rencontrer l'autre. Le chrétien qui doit être bien rempli, l'humain, debout, c'est pour vivre dans la charité. L'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne une loi nouvelle. Ça veut vous aimer les uns les autres. Pour qu'il s'agit d'une division, pour qu'il s'agit d'une joie, d'une tristesse, pour qu'il s'agit d'une remords, il était chargé. C'est parce que l'amour n'est pas aimé, frères et sœurs bien-aimés. Et moi, mes petites paroles, ça y est, Saint Bernard, il était toujours dit, il dit, j'aime parce que j'aime et j'aime pour aimer. J'aime parce que j'aime et j'aime pour aimer. C'est ça, Saint Bernard t'a toujours dit. Saint Augustin t'a toujours dit ça. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et chaque chrétien, famille, aimer, vivre, charité avec l'autre. Mais tu sors gagné, partagez avec l'autre là. Mais tu sais, bon Dieu, bah, partagez. Et l'autre là, partagez avec vous. Pas mal coup, baba dit, oh, un tel, toi, chichi, toi, beau qui est fait. Oh, qui est plus, si t'as bon plus. Ou acheter un petit morceau manger, partagez avec l'autre là. Nous devons vivre ça à la caille nous. Pour que ça qu'elle nous dit comme ça. Pour que ça dit tout problème ça. Maintenant, on a dit ça. Dis-le côté de travail. Fais travail ou bien. Sous ces chauffeurs, ou craser machine là. Mais comment pour mettre machine à faire bon job? Sous ces servantes, ou craser chaudière à la caille là. Mais qui sont pas faire manger? Il y a bon à la caille. Qui sa conscience me dit? Pour me donner le bien pour l'autre. Qui sa conscience me dit la caille là? Qui s'accroche sur nous comme chrétiens pour vivre la vertu morale cardinale, la force, la prudence, la justice et la tempérance, pour nous une force pour nous lutter, pour nous affronter les difficultés. Ça nous prudent tout dans la vie, nous. Parce que je dis à grand pile chrétien qui est prudent, grand pile jeune qui est prudent, et c'est dans l'imprudence nous à côté à tomber. Et Maxime, nous, chaque qui là, pas à supposer dire, mais m'a dit, pour faire expérience, parce que mon responsable pastoral, carcéral, dans l'archidiocèse pour comprendre ça. Mais dans la prison, moi qui tribulation mon apprend dans la prison. Faire respect de mon balle en prison en Haïti, attendez. Nous avons gagné dans la prison. L'homme dit nous, nous donnons au dit, on marche sous 13, ou papier les 14, moi-même, moi marche sous 9 pour papier les 10, quand on baisse toi, on marche sous 7 pour papier les 8. Radio Téléspiritus Inter, RTSI. Pour savoir qu'a passé, faire respect, non. Il n'a rien de bon Dieu. Il a la justice, la tempérance. Tout le monde qui parle de tempérance, la parler. Pour te critiquer, faut aller, faut jouer, faut fâcher, faut sermenter. Mais parole, bon Dieu, dans le bouche, il doit faire tourner la lumière. Chrétien, il faut marcher mieux. Tout le monde est limité. Et pour debout, il faut gagner la discrétion. Parce que il faut marcher mieux. Il y a des gens qui parlent, on a fait ça. Il y a des gens qui ont beau il y a ça qui ont l'envie. Ça fait me songer, lire ça, cardinal Sarah lui écrit, la force du silence contre la dictature du bruit. Je souhaite nous jouer un livre ça pour nous lire, pour nous faire une retraite spirituelle avec lui. La force du silence contre la dictature du bruit. Pour nous apprendre à faire silence dans la vie. Non? Hein? Un silence qui est un bon rencontre avec mon Dieu. Le silence qui est bien pour mon Dieu, entre dans la vie, non. Chrétien, il doit faire silence dans la ville. Le visage de chrétien, l'anglaise. Le visage de chrétien, fous la patte. Le besoin chrétien qui vit parole, bon Dieu, chaque jour dans la ville. Retourne vigilant, par le plus allumé, par nous vivre dans la moralité. Et c'est pas la journée où chrétien, mais il veut tout changer. Par vivre dans la moralité, dans la dignité. Combien nous sentons que nous payons à tant qu'on dit, la morale est en vacances dans ce pays. Nous devons ça déjà en fait, chauffeur. Non, non, fais ça. Non, faites cette douleur. Si je me vite à la paroisse cathédrale, par Brice, nous t'a prêché en 1996 à l'époque, dans messe 7 heures, messe élève l'école. Et puis nous t'a dit, la morale est en vacances dans ce pays. Et puis à la fin, messe là. Mon parent qui passait dans le sacrifice à l'église, mon père, vous vous êtes trompé. Il dit, mais pourquoi madame? Il dit, la morale est en exil dans ce pays. En 1994, nous, en 2018, bagoun qui s'apparent sa voile, je dis à Bakone, la morale est en exil. Il faut rapatrier la morale. Vous êtes un sérieux. Parce que comme nous dit, pour nous capables de la moralité, la
solidarité, la fraternité, ou si c'est pour faire magie gridi sur la vie même, sur la dignité même, sur la personnalité même, ou si c'est pour faire magie gridi sur la tête nous tous. Parce que je dis à mon gardé, jeunesse, moi, c'est avec tristesse, mon gardé. Et j'aime, nous faisons trop tenter avec tête nous. Toute la journée, son magie gridi sous pokono, écrit par-ci par-là, tatouai, rabodai, déblosai, pas qu'on est comme on est là. Tatouai, canou, bito! Tatouai, canou, marque canou, avec son esprit saint, marque pour nous, nous donner la pomme de marquer, avec le son du baptême, qui va nous tourner, petit bon Dieu, si ce qu'on fait magie gridi sous pokono, si ce qu'on gaspille tête nous. Et le film nous a levé, chaque jour levé, j'aime levé, les personnes qui nous ont élevé, les personnes qui nous ont porté, les personnes qui nous ont porté, nous pas bêtes, nous sommes petits, mon Dieu. Pour vous, c'est une vieille tenue, j'en ai mis de vous prendre la rue, pantalon, rayon, on mange tout le bras, on m'a déchiré, oui, ils sont bas matelas, on mette ça, nous allons vivre un esprit, rayon. Nous allons vivre un esprit dignité. Et la divinité, le passé vient avec vous. Mais toujours dit ça, la solution, ou sans provision, la vie n'a illusion, on peut mettre la collision. Et ça va nous laisser frapper, la solution, on va aller même, tout le monde est gaspillé jeunesse, pas gaspillé jeunesse, à l'université, à l'école, on va avoir les téléphones, toute la génération de la téléphone qui nous amène, dans WhatsApp, nos statuts, à mettre corps, profil, tout le bagaille, nous faire selfie, mettre Jésus-Christ, nos statuts, nos profils, mettre l'Esprit Saint, nos profils, et c'est l'Esprit Saint qui a libéré. Radio Téléspiritus Inter, RTSI. Je parle de l'été dit ça. Il faut créer chez les jeunes la tristesse salvatrice. Si je parle comme ça, nous, c'est pas là qu'il m'aille nous. Parce que moi, la société n'est pas finie. Vous sentez que je ne sais pas libre à l'étout. C'est nous qui nous la relève. Je vous dis, mais nous, on fait coup de sang. Nous, on fait coup de sang. Je dis, n'entends pas. C'est pas comme ça, bagaille. Et c'est pas comme ça, ça t'est vrai. Eh bien, c'est ça. Nous dit la moralité, la fraternité, la solidarité, capédène pour nous connaître que nous tous nous ses frères. Femme que soit mieux aujourd'hui, les humains de nous, pour mettre de côté tout bagage qui empêche nous vivre, parole de Dieu, pour nous dépouiller nous de tout péché, dépouiller nous de tout bagage qui mal, qui l'aide dans la vie nous, pour nous prendre contre avec mon Dieu, pour donner lumière dans la famille, lumière dans le travail, lumière dans la vie, lumière dans l'école, lumière dans l'université. Pourquoi nous? Historien russe qui était le lion, qui était mort le 20 novembre 1910. Une histoire lui racontée dans la ville, histoire ça, lui était marqué dans le livre ça. Il est un roi qui a grand pile pouvoir, et puis il va la vieillir, il va le mourir, il va le tout chef qui était dans le royaume, dans le pouvoir, il va avant mourir, pour t'arrêter, ouais, bon Dieu. Et ça, Léon lui raconté dans le roman ça. On a dit avant de mourir, on t'a aimé, ouais, bon Dieu. Et puis, il est long, père a vu une côtelle. Il dit, non, ouais, on lui dit, eh bien, si avant de mourir, on t'a aimé, ouais, bon Dieu, allez la Bible, lis parole, bon Dieu, et puis, ouais, bon Dieu, qui vient manifester dans vous-même, dans le songe, et bon Dieu, la doit en parole. Après ça, voilà, lis parole, bon Dieu. Après ça, lis pas, moi, bon Dieu, des grands jeunes. Tout le petit pauvre malheureux, qui vient, et puis il vient en aillon, tout sale, il paraît devant, ouais, et puis il dit, mais ouais, nous t'en aimons, fort, ouais, bon Dieu, oui. Il dit, ah, ou tout laide, ou tout sale, comment on est capable de faire, moi, bon Dieu? Il dit, pour vous, nous t'en aimons, ouais, bon Dieu. Et puis il dit, qui soit prêt à le faire pour faire, moi, bon Dieu? Et puis il dit, on change le rade qui soit, on met bon belle veste qui soit là, belle paletot qui soit là, et puis ma bonne rade, pas non, après ça, ouais, bon Dieu. Après ça, il a accepté, il a une belle veste qui était sous lui, belle paltoli, il a fait malheureux, et malheureux prend, il a quitté sale qui sous l'air, vient dans la misère, il a fait ça. Et puis il dit, regardez bien, regardez bien, et puis il dit, mais bon Dieu, c'est mon bon Dieu. Il dit comment? Il dit, bon Dieu, il dépouille de toute richesse qui te gagne, li voyez petit li Jésus-Christ, venant entrer dans l'histoire nous, pour péter péché, pour capable bailler la vie. Et bien, si vous cachez dans l'orgueil, ou pas, je vois bon Dieu, dépouillez de richesse, pour vivre la pauvreté, pour rencontrer avec bon Dieu. Et bien, c'est ça,
10 jours d'une mois soir, dans le congrès, nous chacun là, sont une richesse intérieure, sont une insuffisance, sont une prise partie de nous, ne vivons pas toute nous sur la terre, pour nous capables de rencontrer avec bon Dieu. Dépouillez-nous, faites nous simple, pas d'une paresse intérieure, nous pas classe, qui s'attaque à manger là, soyez, dépouillez consensus, dépouillez à vous, pour servir le Dieu. Radio Téléspiritus Inter, RTSI. Jésus, de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qu'il est galette à Dieu. Il se dépouilla lui-même en prenant la condition d'esclave. Mais c'est exemple ça, comme ça, t'es voulu montrer voir. Bon Dieu, dépouillez-le, et nous chacun là, dépouillez-nous pour nous rencontrer avec bon Dieu. Dépouillez-nous pour nous servir notre Dieu. Dépouillez-nous pour nous servir pays nous. Dépouillez-nous pour nous servir l'église là. Dépouillez-nous pour nous servir société là. Quoi? Pour nous capables de servir l'autre Dieu. Quoi pour nous servir pays nous. Oui, mais pour nous capables de servir l'autre Dieu. Oui, mais pour nous capables d'aider l'autre Dieu. Oui, mais pour nous capables de tourner lumière pour l'autre Dieu. Pardonnez pour nous capables de servir l'autre Dieu. Nous ne connaissons pas donc, pas facile. Mais pas impossible. Nous ne bagayons pas monde fort. Ah, les mangeons, non. Contre vous, hein? Les faut perdre petit job là, les faut perdre madame, les faut perdre petit tout, les boule caillou, les boule machine, les finir avec vous. Nous sommes finis avec vous, la piste colle, puis passer nos jouettes. Pas occupé nous. La justice mondiale a venu, il y a couru, oui. C'est ça que vous dit Jésus, hein? Là, je suis à quoi, oui? Où c'est petit mon Dieu? Descends quoi, nous? Vous n'avez pas la brûlée, elle est lui. Mais il y a les jouets sur le tout le couru. Et nous, là, Jésus, c'est au bras de Jésus-Christ, lui, c'est petit bon Dieu, apprendre à pardonner. Pour développer la caille, nous, une pédagogie du pardon. Pour nous faire l'église, pas nous faire charismatique, après nous faire renouveau dans la vie, nous. Pour parler, nous, qui est un groupe parle. Et regardez comment nous belle là. Quelle beauté ça, pour tout le temps, pour nous capables, qui peut renouveau. Pardonner et servir. Prier et servir. Ça fait garder nous, sinon par la prière. Hein? La prière tout le temps. Vous levez matin, la prière. Vous abdormez, la prière. Vous jouez, la prière. Et des fois, vous dites, qui ça l'église a besoin de vous? Qui ça congrès a besoin de vous? Qui ça minimal a besoin de vous? Et ça, vous avez dit? Et puis, en bas, je ne peux pas chanter mes trucs, on va gommer. Priez et servir. Espérez et servir. Faut nous espérer. C'est ça qu'a fait nous être le peuple. Debout, comme si nous pensions, j'en paye à ça sa qui pourrait être qu'on a la vraie. On a fait que le pays a changé. On a fait que nous sommes vivre dans le petit bon Dieu. Nous faisons action mieux. C'est ça le congrès à la vie nous. C'est ça la parole à la vie nous aujourd'hui. Dans l'occasion, congrès ça. Veillez, restez debout, toujours debout, et gardez vos lampes allumées.